Hello? Hello? Yeah, I hear you. Go ahead, my friend. Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu peux parler? Yes, my voice is clear. Are you a Muslim? Es-tu musulman? I am. What does that mean? Oui, je suis musulman. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Submit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. What does that mean? What does that mean? Submission of one God. Where it says, Ça veut dire soumission à un seul Dieu. is that you submit to God in Islam? Où est-ce qu'on a dit que musulman, ça veut dire celui qui se soumet à Dieu? What do you mean? Where does that say? Where is the word Everyone knows submission that. coming from? Qu'est-ce que tu veux dire, Christian Prince? And you said the word submit. The Muslim. Tu as dit que submit veut dire soumission à Dieu. C'est écrit où? First of all, Muslim. Yeah. You know the five pillars, right? D'abord, Christian Prince, donc un musulman, donc le musulman, c'est celui qui se soumet aux cinq piliers de l'islam. No, I'm asking you where the word submission coming from. Is that part of your religion? Je t'ai posé la question, d'où vient le mot soumission? Est-ce partie de ta religion? The five pillars, the submission is in one of them, Where? the shahada. Le cinq piliers de l'islam, donc il y a la shahada que nous faisons. Shahada. The shahada is not submission. Shahada, you witness. La shahada ne veut pas dire soumission. Shahada veut dire tu es en train de témoigner, tu témoignes. Is the belief, it's Yeah. the belief with Yeah. heart of one God. C'est la croyance que nous avons en un seul Dieu. C'est ça la shahada, Christian Prince. C'est ce que nous disons par la shahada. Okay. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. This is submission of one God and Okay. the prophet is the رسول الله. Ok. Donc nous soumettons à un seul Dieu et le prophète, c'est lui le rasoul, le messager d'Allah. That's Is that wonderful. right or not? All right, but Okay. I'm asking you about the word submission. Je t'ai posé la question sur le mot soumission. Submission has nothing to do with witnessing. Witnessing is something. La soumission n'a rien à faire avec le témoignage. Donc lorsque je témoigne, ça veut dire. And submission is something else. La soumission est une chose et le témoignage en est une autre. So you It could mentioned to be me submission, but any it's not word, there. submit. Maintenant, lorsque tu me dis la soumission, ce n'est pas écrit, il n'y a pas de soumission là. Submitting. Huh? It could be any word, submitting or admitting, I guess. Oui, la soumission, je me soumets, ou bien j'admets, admettre. Or believing. As I know, Ou bien croire. that the Muslim, they translate the word aslam as submission, but that word means surrender. What do you think? Ce que moi je sais, les musulmans, ils traduisent le mot aslam, ils traduisent ça comme soumettre, alors que ce mot-là veut dire se rendre. Qu'est-ce que tu penses? Covax surrendering to one God. In another word, Surrender, believing in exactly. one So God. it's not. Ah oui, nous voulons dire se soumettre, se rendre à un seul Dieu, Christian Prince. To one God. In another word, Surrender, believing in exactly. one So God. it's not submission. Surrender. Ah, se rendre, comme tu dis, exactement, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas la soumission. Surrender is the word you use when you lose war. Le mot se remettre. Surrender is the word you use when you lose war. Lorsqu'on dit que se remettre, hein, ça veut dire, donc vous vous remettez, donc c'est comme lorsque une armée est en train de se battre, ils se rendre, lorsqu'ils ont perdu la bataille, ils se rendent à une autre armée. Right? Bro, that's Hein? another entire Non, Christian, c'est faux ce que tu dis. thing. Surrendering to an enemy and surrendering to one God are No, two you are not different surrendering things. to one. Christian Prince, il y a une différence entre se rendre à un ennemi et se rendre à Dieu, à un seul Dieu. C'est différent. Enemy and surrendering to one God are No, two you are not different surrendering things. to one God, you are surrendering to Muhammad. How Non, vous ne vous rendez pas à un seul Dieu, mais vous vous rendez sur l'obéissance de Muhammad. Vous vous rendez à Muhammad. am I not Okay, let us read, my friend. illallah, Exactly. Okay, surrendering to one God okay. and I want you to read. Donc, Christian, parce que nous nous rendons, nous nous soumettons à un seul Dieu. With me, if you Okay. don't mind, please. J'aimerais que tu puisses lire ça avec moi. Okay. I hope you got a right website. Take it easy. All right.
C'est quel site internet que tu vas utiliser, le site arabique? I will open in front of you your Quran. You have a Quran with you? Je ouvrirai devant toi le Coran. Est-ce que tu as un Coran avec toi? I do not. All right. So when somebody says Shahada, is he a believer or he is a disbeliever? Believer. Okay. Je n'ai pas de Coran avec moi. Je te pose la question. Lorsque quelqu'un dit la Shahada, est-il croyant ou bien il n'est pas croyant? Lorsque quelqu'un dit la Shahada, est-il croyant ou bien n'est-il pas croyant? Do you call somebody he says Shahada but he don't believe a believer? Est-ce que tu crois quelqu'un qui prononce la Shahada mais qui ne croit pas? Est-ce que tu vas l'appeler qu'il est un croyant? Say again. Répète un peu ta question, Christian Prince. If I say Shahada, but I don't believe in Islam, am I a believer? Si moi, je prononce la Shahada, mais je ne crois pas dans l'islam, est-ce que je suis croyant? If you say Shahada, no, you're not a believer. Okay. Si tu dis la Shahada, non, alors tu n'es pas un croyant. Because it has to come with heart as well. All right. Cela doit venir du fond de ton cœur. So can you call me Muslim if I say Shahada but I don't believe? Est-ce que tu peux m'appeler musulman si je prononce la Shahada mais je ne crois pas? No. Okay, exactly. Non. You're just like thank you very saying much. It with no belief. Donc tu t'es juste soumis, tu t'es juste rendu mais sans croyance. Donc tu n'es pas musulman. Everybody is my That's witness. True. Merci beaucoup. Tout le monde est mon témoin. I agree. Okay, so if I say Shahada, but I don't believe? No. Okay, exactly. Because you're just like Thank you very saying much. It with no belief. Everybody is my That's witness. That's true. I agree. Tout le monde est témoin. Merci beaucoup. I agree. Okay, so if somebody, he says Shahada, he don't believe? If someone says it with no belief, what's the point? Si quelqu'un dit la Shahada, il ne croit pas. Bon, Christian, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelqu'un qui dit la Shahada sans croire. So, can we call him Muslim or not? Est-ce qu'on peut appeler un tel homme musulman, oui ou non? Non. Okay. He's just saying that by so then, non, puisqu'il n'a fait que prononcer, mais il ne croit pas. Read the Quran with me. Read the Quran with me. The Quran says the opposite. Est-ce que tu peux lire le Coran avec moi? Tu verras que le Coran dit quelque chose d'opposé. The Quran says that they, you know, the Bedouin, they say, we believe. The Quran said to them, don't say we believe. Le Coran dit ici que on dit les Bédouins disent que nous croyons, mais on leur dit, ne dites pas que vous croyez. Say we have surrendered. Dites tout simplement que nous sommes rendus. Surrender, nous sommes juste rendus. And faith has not yet entered your heart. But listen what you said. Et la foi n'a pas encore pénétré dans mon cœur. Pour l'audience francophone, nous devons montrer ça en français. Pour nos amis francophones, c'est la sourate 49 au verset 14. On dit, les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis. En anglais, on a dit, nous nous sommes rendus, surrender. Ici, on dit, nous nous sommes tout simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Vous n'avez pas la foi. Et si vous obéissez à Allah, son messager, il ne fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Retournons vite à la vidéo de Christian Prince. Là, c'était pour l'audience francophone. On y va. Je t'ai posé la question trois fois. If I say Shahada and I don't believe, can I call myself a Muslim? You said no. Je t'ai posé la question, si je dis la Shahada et je ne crois pas dans mon cœur, est-ce que tu vas m'appeler musulman? Et tu as dit non. But the Quran says no. Mais le Coran dit non. You say Shahada, you are a Muslim. On dit que vous avez prononcé la Shahada, vous dites la Shahada. Vous êtes des musulmans. Are not a believer. Mais vous n'êtes pas des croyants. Can I call myself a Muslim? You said no. But the Quran says no. You say Shahada. You are a Muslim. You are not a believer. It's in front of you. Là, c'est là devant toi ce que je suis en train de dire.
chapter the 49. Word, listen, when you translate Arabic to English, you don't get the correct word. I'm not trying. Ah, Christian Prince, tu vois, lorsque tu traduis l'arabe vers l'anglais, tu n'as pas la translation exacte. Translating, my friend, this is your translation. Je ne suis pas en train de traduire. Ça, ce sont vos translations qu'on vous a données. Je ne fais que lire vos translations. Secondly, I am an Arab. I do not need your translation. Okay, and you speak Arabic supposedly. Deuxièmement, je suis un Arabe. Je n'ai même pas besoin de lire cette translation ici. Je connais l'arabe. Et toi, apparemment, tu connais aussi l'arabe. Read. No. Christian Prince, le mot s'arrête dans ce rendre-là. Est-ce que ça veut dire quoi? No, don't change the topic. Il ne faut pas changer le thème. Tu essaies de changer le thème maintenant. I ask you, focus on me. Je ne suis pas en train de changer le thème, Christian Prince. Sois concentré avec moi. If I say shahada and I don't believe, can I be called a Muslim? You said no. Je t'ai posé la question, si je prononce la shahada mais je ne crois pas, est-ce que je peux être considéré comme musulman? Et tu as dit non. You repeated that more than once. It's recorded. Tu as répété ça plus d'une fois et on a tout enregistré ici. If you say the shahada with no belief, there is no point. Donc, si tu prononces la shahada, Christian Prince, ben, sans la croix, sans la foi, donc ça n'a pas de sens. There's no point. And you said, I will not be called Muslim, correct? That more than once. It's recorded. If you say the shahada with no belief, there is no point. There's no point. Say something. Donc, ça ne sert à rien de dire la shahada sans la foi. You said, I will not be called Muslim, correct? Tu as dit que je ne serai pas appelé musulman, correct? Correct. Okay. Oui. Mais le verset devant toi, la sourate 49, verset 14, ça dit le contraire de ce que toi tu dis. Allah saying to them, you say you believe. Allah dit, vous dites que nous croyons. And Allah answered them says, no, you don't believe, you become a Muslim. Allah leur dit, il le corrige, il dit que non, vous ne croyez pas, vous êtes juste devenus des musulmans. Faith never enter your heart. Read the verse. Il dit, la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Tu peux lire le verset. Est-ce que tu peux me montrer la version arabe? Puisque le mot se rendre veut dire taslam. Taslam en arabe. No problem. Aslam, non? Oh, non, pas de problème, je vais te montrer ça. Aslamna. Qalat al-A'rabu amanna. Aslamna means he's converted. No, my friend. Aslamna veut dire il s'est converti. A'rabu amanna. Aslamna means he's converted. No, my friend. Aslamna means aslam. Non, mon ami. Aslamna veut dire aslam taslam. Aslam taslam. Aslam. I can show you the hadith. Je vais te montrer des hadiths à propos de ça. Okay. Aslam taslam. Could mean surrender. De votre prophète qui dit ça. But to Islam. Okay, no problem. Ah bon, oui, Christian Prince. Ok, ça peut dire, peut vouloir dire se rendre, mais à l'islam. Could mean surrender, but to Islam. Okay, no problem. But let us prove now they surrender, but in war. Why? Because how they surrender to Islam, but they don't believe in Islam. Okay, oh, pas de problème. On va dire ça parle comme si on se rendait dans la guerre, une armée qui se rend. Comment est-ce que tu vas croire? Tu vas te rendre, mais tu n'as pas de foi. Because how they surrender to Islam, but they don't believe in Islam. Maintenant, comment est-ce qu'ils se rendent à l'islam, mais ils ne croient pas dans l'islam? Because simply they fear for their life. What do you mean we don't believe? Because simply they fear for their life. What do you mean we don't believe? As you see, they don't. Mais Christian, qu'est-ce que tu veux dire que nous ne croyons pas? Believe. The verse says you said don't believe. As you see, they don't believe. The verse says you said you speak Arabic, right? The verse in front of you. Mais le verset est là devant toi. Toi, tu as dit que tu parles arabe. C'est écrit là-dedans. Arabe, amanna, kullam tu'minu, walakin kullu aslamna. Uh-huh.
How did they not believe? And Allah saying to them, don't call yourself a believer. Mais là, comment est-ce qu'ils n'ont pas cru? Mais Allah a dit ça. Don't call yourself a believer. Call yourself a surrender, a Muslim. So, mais là, Allah dit que ne dites pas que nous avons cru, nous avons la foi, mais dites que vous vous êtes rendu, vous êtes des musulmans. Well, Muslim means surrender. Not, musulman veut dire celui qui se rend, se rendre. Not a believer. Ça ne veut pas dire incroyant. In English for now. I think this guy. Est-ce que tu peux me montrer en anglais maintenant? I think this one is telling them to take a step by step. What well, step by step? Je dis bon, ça c'est ça montre qu'on doit faire ça étape par étape. Telling them to take a step by step. What well, step by step? What step by step? They are already Muslims. Qu'est-ce que tu veux dire étape par étape? Hein? Ils sont déjà musulmans ici. My friend. They are already Muslims, and Allah saying to them, "Don't say we are believers. Say we are Muslims." Ils sont déjà musulmans, et Allah vient leur dire que ne dites pas que nous sommes des croyants. Dites que nous sommes des musulmans. So, what step by step behind it? Maintenant, comment est-ce que tu vas dire qu'ils ont évolué étape par étape? Can go to the verse behind it. Would... Est-ce qu'on peut voir l'autre verset à côté? You go to any verse behind it. You know where we go. On peut partir dans quel, n'importe quel verset, tout ce que tu veux, mais le verset qui suit, on peut aller? Okay. Hang on, this is about respect to the iman. قل... Non, ça c'est à propos de respect à la foi. لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا is more powerful. You surrender to the Lord. Le mot أسلمنا est plus puissant. Says, my friend, do you know how to read? It's... Mon ami, est-ce que tu sais comment lire? Even faith did not even enter their heart. On dit que même la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Don't stop. It says, I'm not interested in the English one. English one, you don't get the maximum definition. My friend, I don't... Christian Prince, toi, la version anglaise du Coran, tu n'as pas la vraie signification de ce que ça veut dire en arabe. Don't care about the English, you have the Arabic. Stop playing the game. Okay. Mon ami, il ne faut pas faire de jeu. Tu as la version arabe. Tu peux lire même en arabe. Nous avons la version arabe. Il y a quelques secondes, j'ai mis ça en arabe pour toi. Et tu m'as redemandé que je puisse retourner à l'anglais. C'est ce que tu as dit. It's you who said that. C'est toi and qui now I put it in the English. That's right. And I put it in the English. You said to me, I am interested in the English. Okay, let's go back to the Arabic. It says here. Mais non, je t'ai mis ça en anglais. Tu commences à me dire que tu n'es pas intéressé en anglais. Ok, tu veux qu'on puisse retourner en arabe. On peut rentrer en arabe. Al-Iman, lam yadkhul al-Imanu fi qulubikum. Iman never enter your heart. Am I lying or this is what it says? Donc ici on dit, la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. Est-ce que je suis en train de mentir ou est-ce que je dis, j'ai dit la vérité? It's what it says. Ok. Oui, Christian, c'est ce que ça dit, oui. You know, it means don't say amen to, but no, say no, it doesn't say amen to me only. It says faith. Oui, ça n'a pas dit comme ce que tu dis. Ça dit ceci. Never enter your heart. Never. Arabic. Ça dit tout simplement que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. C'est ce que ça dit. Arabic. قل لم تؤمنوا ولكن أسلمت. I forgot the word. Ah, j'ai oublié le mot. Don't say that. You don't know Arabic. Nassam, tu ne connais pas l'arabe, toi. Listen, no, I can't read. Ah, Christian, oui, je peux lire l'arabe. Okay, let's say, we are Muslims, we surrender, and iman never enter our heart. Faith. Il dit, nous sommes musulmans, nous nous sommes rendus, mais l'iman, la foi, n'a pas encore pénétré le cœur. Never, ever, ever enter our heart. Donc, la foi n'a jamais entré, pénétré dans le cœur. When faith enters your heart, say amen. Non! Il dit, la foi entre dans vos cœurs, dans ce verset. When faith enters your heart, say amen. Non! Non! Ça n'a pas dit ça. Non! Actually, my friend, this is why you can read any translation. You can read the tafsir. Non, mon ami, tu sais,
C'est pour cela que tu peux même lire tous les tafsirs, les exégèses. Tu peux lire. We can read tafsir. Tu peux lire les tafsirs. I don't believe that you bring up a correct tafsir. You just opened Islam.org. Ah, Christian Prince, moi je ne crois pas que toi tu as amené le vrai tafsir, la bonne interprétation. Tu as juste ouvert le site internet de Islam.org. I know that Islam.org is from Shia website. My friend. Et ce que moi je sais, Islam.org, le site internet là, ça appartient aux musulmans chiites. So you Muslim, when we ask you how many Shia there's in the world, you say to us 1.6. First of all. Maintenant, lorsque nous vous demandons, vous, combien de musulmans y a-t-il dans le monde, vous nous dites qu'il y a 1,6 milliard. So when you want to count the Shia, when you want, you don't count them. So maintenant, quand vous voulez, vous comptez, vous incluez même tous les Shias, tous les chiites, et si vous ne voulez pas, vous dites que les Shias, les chiites ne sont pas les musulmans. Are they Muslim or not? Est-ce que les chiites sont musulmans, oui ou non? I don't believe in the Shia. I'm okay. Ah, Christian, parce moi, je ne crois pas dans les chiisme, les chiites. Is the Sunni? The I Sunni, believe in the. Okay, you're changing topic now, but I will go with you. Les chiites, eux, ils pratiquent leur Sharia. The Sunni, they practice Mut'a too. Ils pratiquent même le mariage temporaire, le Mut'a. Oh, but I will go with you. The Sunni, they practice Mut'a too. Ah, je vais partir avec toi. Tu sais, même les Sunnites, les musulmans Sunnites, ils pratiquent aussi le Mut'a, le mariage temporaire. Is the Quran the book of the Shia or the Sunni? Est-ce que le Coran est-il un livre des Sunnites ou bien des Chiites? From the Sharia, the book of what? Chapter. Ils tirent ça, les chiites, ils tirent ça à partir de leur charia, Christian Prince. 4, verse 24, it says, Mastam ta'tum bihi. Le Coran, chapitre 4, verset 24, ça parle du mariage temporaire, muta. On dit, Mastam ta'tum bihi. Bihinna, so the one you enjoy them, so you have to pay them wages for enjoying the vagina. And this... Il dit très bien que celle avec laquelle tu te réjouis, tu dois lui payer de l'argent pour avoir joui de son vagin. 24, it says, Mastam ta'tum bihi, bihinna. So the one you enjoy them, so you have to pay them wages for enjoying the vagina. And this is Quran. Et ça, c'est écrit dans le Coran. Chapter 4, can you say that again? Tu as, Christian Place, tu as dit chapitre 4, est-ce que tu peux répéter? Mastamta'tum bihi. Mastamta'tum bihi, en arabe. One enjoy the vagina. You enjoy the vagina, you pay them wages. Celle avec laquelle tu t'es joui. Tu te réjouis avec leur vagin, tu dois leur donner de l'argent, un salaire. But before we go there, we are trying to change topic. Mais avant de partir là, puisque toi tu veux changer de thème. So, you did fool yourself. Ah, Christian Prince, je ne suis pas en train de changer le thème. Topic. So, you did fool yourself. I said Shia. You did fool yourself. Shia are more Muslim than you. Ah, Christian Prince, je ne vais pas changer de thème. J'étais en train de dire tout simplement que les chiites ne sont pas musulmans. But before we go there, we are trying to change topic. So you did fool yourself. I said Shia. You did fool yourself. Shia are more Muslim than you, at least. Ah, toi, tu t'es trompé. Tu voulais juste te tromper. Et d'ailleurs, les chiites, ils sont plus musulmans que vous, les sunnites. They are Shia, not... How is Shia more Muslim than exactly. us? Exactly. Ah, Christian Press, comment est-ce que tu peux dire ça? Comment est-ce qu'un Shia, les chiites, sont plus musulmans que nous, les sunnites? I will tell you why. How? Okay. How? Ah, comment ça? Exactement, je vais te dire ça. The Quran say you do muta, you Muslim Sunni you say don't do muta. Le Coran enseigne que vous devez pratiquer le muta, le mariage temporaire. Vous les musulmans sunnites, vous dites que on va pas faire le mariage temporaire. Oh, you follow hadith, but you don't follow Quran. You just... Donc vous suivez les hadiths, vous ne suivez pas le Coran. Christian Prince, tu as juste ouvert un site de chiites et tu es en train de lire ces histoires ici. Attends, je te pose la question. Est-ce que le Coran est-il un site internet de chiites?
chapter 4, verse 24. Chapitre 4, verset 24. Okay, so Quran chapter 4, verse 24 says you do muta. Le Coran, chapitre 4, verset 24, dit, vous pratiquez, vous devez pratiquer le muta, le mariage temporaire. How you Muslim Sunni don't follow the Quran? The Shia, they follow the Quran. Mais vous, comment est-ce que vous, les musulmans sunnites, vous ne suivez pas ce qui est écrit dans le Coran? Les chiites, eux, au moins, pratiquent ce qui est écrit dans le Coran. So they are more Muslim than you. Donc, ils sont plus musulmans que vous. I got the whole complete another verse. Like another whole meaning. Hmm. Je vais voir ça et comparer ce verset ici. 24. Surat 4, verset 24. And you can read. And you can read it. Famastamta'tum bihi. Tu peux lire en arabe. On a dit famastamta'tum bihi en arabe. A vagina, or you enjoy bihi. You Donc, vous réjouissez à propos de ce vagin. Enjoy it. This is why in Sharia law, if you don't have intercourse, if you Et donc tu te réjouis. C'est pour cela que dans la loi de la Sharia, si tu n'as pas encore pénétrer le vagin, si tu ne t'es pas encore réjoui. But you did not have intercourse yet. You reserve, you take your money back. Donc, si tu n'as pas encore fait ça, tu ne t'es pas encore marié. Le mariage n'est pas encore consommé. Tu peux même réclamer ton argent, qu'on puisse te remettre ton argent. This is why, in Sharia law, if you don't have intercourse, if you marry a woman, but you did not have intercourse yet, Donc, si tu te maries dans la loi de la charia, si tu t'es marié à une femme, mais tu n'as pas encore fait les rapports sexuels avec cette femme-là, you take your money back. The money you paid her, you take it back because you did not, you know, you did not enjoy it. Tu peux même réclamer ton argent qu'on puisse te remettre puisque tu n'as pas encore consommé ton argent. Tu ne t'es pas encore réjoui. Which is the vagina. So you take your money back, but if you et ça c'est le vagin. Donc tu peux récupérer même ton argent. You enjoy this it, you can take the money back. Donc tu t'es réjoui. Si tu n'es pas réjoui, on peut même te remettre ton argent. My friend, the word vagina is in front of you. My friend, the word vagina is not, you know, you do not enjoy it, which is the vagina. So you take your money back, but if you enjoy this it, you can take the money back. This word vagina is from your mouth. Christian Prince, le mot là que tu es en train de prononcer, vagin, ça vient seulement de ta bouche. Ce n'est pas écrit ici. My friend, the word vagina is in front of you. Famastamta'tum bihi. Le mot vagin là, je suis en train de lire ça en arabe. C'est devant toi. Lorsqu'on dit famastamta'tum bihi, hein, on va essayer de montrer ça pour qu'on puisse pas se tromper. Bihi, you speak Arabic. What bihi go for? Toi, tu parles arabe. Le mot bihi, ça veut dire quoi? Ça représente quoi ici? Who? Bihi is a male or female? Bihi, est-ce à propos d'un mâle ou bien d'une femelle? One second. Alors, donne-moi une seconde, Christian Prince. I'm just reading right now. Je vais vérifier quelque chose. Shouldn't be translation. Pendant qu'il vérifie, nous allons montrer ça, la version en français, pour que les gens puissent lire la translation française. La sourate 4, verset 24. Puisqu'ils ont caché la translation exacte. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens, votre argent, et en concluant un mariage, ce mot, on a ajouté, il n'y a pas de mot mariage dans ce verset-là, non, en débauché, puis de même que vous jouissez d'elle, si vous vous jouissez d'elle, de ce vagin, ils ont remplacé ce mot ici, si vous jouissez d'elle, donnez-leur leur mari, l'argent, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord entre vous après la fixation du mar, car
Allah est certes omniscient et sage. Ça, c'est juste une translation du Coran. On va prendre la même sourate, une autre translation. Il y a beaucoup de translations. Lorsqu'on parle en anglais, il y a une translation qu'on appelle Karaï, la translation du Coran des Karaï. Nous allons voir ce que lui-même va dire. Lui aussi a traduit, puisque chaque musulman traduit comme il veut. Il dit ceci en anglais. And married women, les femmes mariées, excepting your slaves and women, this is Allah's ordinance for you. Ça, c'est l'ordonnance d'Allah, ce qu'Allah ordonne pour vous. And to others than this, it is lawful for you to seek. Il vous est permis de chercher ces femmes in temporary union. Donc, une union temporaire du mariage. Tu peux te marier à une femme temporairement pendant 2 ou 3 jours. Ça, c'est le Coran. Temporary union with them, with your wealth, avec votre argent, hein, dans le lien de mariage et pas dans la fornication, la débauche. On dit, donc le mariage ici dont on parle, c'est une union temporaire. Nous allons voir ça avec beaucoup plus d'ample détail, puisqu'il vous est licite que pour vous de rechercher ces femmes, de les rechercher par une union temporaire. Union temporaire. Donc, il y a plusieurs versions du Coran, puisqu'ils ont cherché à tromper. On va retourner vite à Christian Prince. Là, c'était pour l'audience francophone. Ce sont des choses que on doit connaître, bien exposées. And we can go right now and see the interpretation, and you will see this about Muta. Et si tu veux, on peut même aller voir les tafsir de ce verset ici. Tu verras que l'interprétation, ça parle de Muta, de le mariage temporaire. From the Sunni. Et on va lire le livre des Sunnites. C'est eux qui parlent même de ça. We'll show you the Sunni. Not the Shia. Je ne vais pas te montrer le Shia. Les chiites, je vais te montrer les sunnites. I certainly hope so. Okay, so you want me to go to the tafsir? Est-ce que tu veux que nous puissions partir voir les tafsir? Show me the translation before in English. Ah, j'ai vu des translations comme ça en anglais. I'm showing you the translation in English. Je te montre la translation en anglais. It's not shown for me. Hmm. Why you don't open from your side? No, it is. No, it is. So... Ah, tu peux même ouvrir de ton côté. Okay. It's probably delayed. Okay. Je suis en train d'ouvrir, mais il y a un petit retard de le site internet. We can open Ibn Kathir, we can open Qurtubi, we can open Tabari. On peut ouvrir le tafsir d'Ibn Kathir, on peut ouvrir Qurtubi, Tabari, tout ce tafsir a parlé de ça. All of them, those are Muslim Sunni. Tous ces gens-là, ce sont les musulmans sunnites. Zero Shia. Pas même un Shia. On va te montrer ici. Ce sont les sunnites qu'on va te montrer. And your prophet, he practiced Muta. Et votre prophète, Muhammad, a pratiqué le Muta, le mariage temporaire. And the Sahaba practiced Muta. Et même les Sahaba, ils ont pratiqué aussi le mariage Muta. And even after death, of Muhammad, they practiced Muta. Même après la mort du prophète Muhammad, votre prophète, ils ont continué à pratiquer le mariage temporaire. So how the Shia are not Muslim and you are the Muslim? You are not a Muslim. Et comment est-ce que tu dis que les chiites ne sont pas des musulmans? C'est vous les musulmans. Vous les sunnites, vous n'êtes pas des musulmans. How am I not a Muslim? You are not. Because... Et comment est-ce que tu as dit que moi je ne suis pas musulman? Because if you are a Muslim, what Muslim mean? The Muslim is the one who follows the steps of Muhammad, correct? Tu n'es pas musulman, puisque si tu étais musulman, qu'est-ce qu'un musulman? Un musulman, c'est celui qui suit la vie de Muhammad, qui imite la voix de Muhammad. Not necessarily. Non, pas nécessairement, Christian Prince. C'est quoi sunnah is not... Non, tu sais le mot sunnah, ça veut dire? It's not a force, it's a blade. Non, sunnah. Only a force, it's a blade. Non, sunnah. Non, sunnah. For example. Non, ce que j'appelle la sunnah. Donc, il y a même un exemple. L'exemple.
pray. Is what the prophet, he allow or disallow. You forbid what is allow and you allow Allah what is allow. La sunna, c'est interdire ce que Muhammad avait interdit et permettre ce que Muhammad avait permis. De vous suivre la sunna. Allah forbade. Non, sunna is what? Donc Allah a interdit. Non. Muhammad forbade, not Allah forbade. Non. Dans la sunna, vous ne suivez pas ce que Allah a interdit. Vous suivez ce que Muhammad a interdit. C'est ça, la sunna. My friend, okay, hold on. As an example, now. Mon ami, attends, je vais te donner un exemple. The Quran says you do muta. The Hadith says don't do muta. Which one you follow? Comme le Coran dit très bien que vous devez pratiquer le mariage temporaire, le muta. Mais le Hadith dit vous ne pratiquez pas le mariage muta. Maintenant, entre les deux, tu vas suivre le Coran ou bien tu suis les Hadiths? Listen, I'm not going to give you my answer because I don't know anything about. Why not? Que simple, je ne vais pas te donner une réponse exacte puisque je ne sais pas de quoi dans tout ça. Tu parles de quoi de tout ça? Je ne peux pas te donner les réponses exactes. No, you can search. My friend, you can search right now. Non, écoute, mon ami, tu peux faire des recherches. Tu peux rechercher tout de suite là. Tu peux pour me donner la réponse. My friend, listen, we have time. Mon ami, nous avons encore beaucoup de temps. Tu peux rechercher. You can search right now as you are talking to me, Mr. Hazim. Monsieur Hazim, pendant que nous sommes en train de parler, tu peux chercher ça. You can talk to me now and still search with your fingers. Search with your fingers. Is the muta is a forbidden? Yes. Est-ce que tu peux rechercher avec tes doigts sur Internet? Est-ce que le mariage muta est-il interdit, oui ou non? The hadith in Sahih al-Bukhari and Muslim says it's forbidden. Dans les hadiths, Sahih Muslim et Sahih Islam, on dit que ça était interdit. The prophet, he allowed it. And then, let me show you. Ils disent que le prophète, votre prophète avait permis ça. Et attends, je vais te montrer ça. You said to me, I'm showing Shia, right? Okay, here we go. I will show you something from the Sunnah. Toi, tu as dit que je suis en train de montrer les hadiths des chiites. Attends, je vais te montrer quelque chose des Sunnah, des sunnites. And you tell me. Do you agree that you just opened the Shia website? You agree on that? So what? Christian, est-ce que tu es d'accord avec le site chiite, tout ça? It's a Muslim website, and they explain the muta. Did you just? Et ça, c'est un site internet des musulmans, et ils expliquent le mariage muta. Say a Shia is a Muslim website. Mais Christian, toi, tu as dit que donc le site chiite, ce sont des sites musulmans, c'est ce que tu as dit? I said a Muslim website because you're Muslim when you count all of us. Oui, j'ai dit le site musulman puisque vous, les musulmans, lorsque vous comptez les musulmans du monde, vous comptez tout le monde, même les chiites. So, Shia are not Muslims, so let me make a. Ah, les chiites, ils pratiquent la charia, Christian Prince. In Islam. So, okay, I'm asking you, is Shia Muslim or not? I said a Muslim website because you're Muslim when you count all of us. We Muslims follow the Sharia. So Shia are not Muslims. So let me make a clear now. So okay, I'm not. Non, une correction. Il dit, nous les musulmans nous suivons la Sharia, mais tandis que les chiites eux pratiquent leur croyance. Ask me, is Shia Muslim or not? Est-ce que un chiite est-il musulman, oui ou non? Shia Muslim or not? Yeah. Chiite musulman, oui ou non? There is corruption among, like, for example, weak narrations and corrupted narrations. Il y a beaucoup de corruption en ce qui concerne les narrations, Christian Prince. Ce qu'eux racontent, leurs hadiths, il y a beaucoup de corruption chez les chiites. Question, is Shia a Muslim or not? La question, est-ce que les chiites sont musulmans, oui ou non? It depends. What? Ça dépend, Christian Prince. Ça dépend. Comment? Dis-moi tout simplement, est-ce que les chiites sont musulmans, oui ou non? Non. So why are you upset when I say a Muslim website? Maintenant, pourquoi est-ce que tu t'emportes lorsque je te dis un site internet des musulmans? If you yourself cannot give me the answer. Because they're wrong narration. Si toi, tu ne peux pas me donner la réponse, que faire? If you yourself cannot give me the answer. Because they're wrong narration. My friend. Ah, tu sais, Christian Prince, les chiites, ils donnent des fausses hadiths, des fausses narrations.
There are narratives qui ne sont pas corrects. And listen, here we go. This is your prophet. I want you to read what he said. Attends, je leur dis, c'est là. Ça, c'est votre prophète. Je veux que tu puisses lire ce que lui a dit. Okay, what is the difference between Sunni and my Shia? Friend, quelle est la différence entre sunnite et chiite? Don't waste my time. Read what your prophet said. Il faut perdre mon temps. Tu peux lire ce que ton prophète a dit. What? This is not Shia now. This is Sunni. Tu peux lire ça. Ça, c'est un hadith qui est sunnite, qui n'est pas chiite. And this is the Daif hadith. Et ça, c'est un hadith qui est Daif. Daif, ironiquement. In case of temporary marriage, the muta is cancelled. Ah, la dernière phrase dit dans le cas de mariage temporaire, le mariage muta a été annulé. Because the muta is about pleasure in marriage. I'm asking you to. Puisque le muta c'est à propos du plaisir dans la chair. Because the muta is about pleasure in marriage. I'm asking you to read. Can you read it for us? Je t'ai demandé de nous lire ça. Est-ce que tu peux nous lire? I just read it. Je viens de lire ça. Sunni or Shia? Or those Sunni or Shia? Est-ce que ce hadith est-il un hadith sunnite ou bien chiite? You tell me. Where did you get this, from? Christian, toi, tu dois me dire si c'est sunnite ou bien si c'est chiite. It's Daif hadith. Is it Sunni or Shia? This is a Sunni website. Shia, or those Sunni or Shia? You tell me. Where did you get this from? This Daif hadith. Is it Sunni or Shia? This is a Sunni website. Cet hadith Daif. Est-il sunnite ou bien chiite? Et ça, c'est un site internet des sunnites. Bukhari, that's Sunni. Hein? From the Sharia. Ah, ça, c'est Bukhari. Hein? De la Sharia. Hein? Bukhari. What about from Bukhari? The Sharia. Ok, so Al-Bukhari. C'est Bukhari, de la Sharia. Qu'est-ce que tu veux dire? Strong narration. Ok, so you don't accept this one because this is not Al-Bukhari. Donc tu dis que tu n'acceptes pas ça puisque ce n'est pas Al-Bukhari. He said, no, I said it is Bukhari. It is said. Non, j'ai dit que ça c'est Bukhari. Ah, it says that Al-Bukhari. Ah, ok. Ah, tu as dit que ça c'est Bukhari, oui, ok. So you can't play the game, it says Bukhari. Tu ne peux pas jouer, ça c'est Sahih Bukhari. Say again. Est-ce que tu peux encore répéter? The Muslims, they play the game of Daif and strong. So here we go. This is Bukhari. Les musulmans, ils ont toujours joué ces jeux-là. Ça, c'est un hadith qui est sahih, c'est daif, c'est authentique, c'est ceci et cela. Do your prophet allow you to sleep with the women 3 days, 3 nights? If you like to extend, extend. N'est-ce pas que ici, dans ces hadiths, on dit que votre prophète vous a permis de coucher avec une femme pendant 2 ou 3 jours et tu peux même extendre si tu veux. Yes or no? They're talking oui ou non? About temporary marriage. Oui, bon, dans cette hadith, ils sont en train de parler du mariage temporaire. This is Sunni. Is that Shia or Sunni? This is Al-Bukhari. Ça, c'est Al-Bukhari. C'est Sunni. Ce n'est pas chiite, oui ou non? Bukhari, Shia or Sunni? Est-ce que Al-Bukhari était-il sunnite ou bien était-il chiite? Sunni. This is Al-Bukhari. Is the Bukhari Shia or Sunni? Sunni, ok. Ah oui, il était sunnite. On doit montrer ça en français pour notre audience qui est en train de nous suivre en français. En notre audience. Là, c'est le hadith rapporté par Jabir bin Abdullah et Salama ibn Aqwa. Alors que nous étions dans une armée, l'apôtre d'Allah, Muhammad, il dit, l'apôtre d'Allah est venu à nous et nous a dit, vous avez été autorisé à faire la muta, mariage, alors faites-le. Salama ibn Aqwa a dit, l'apôtre d'Allah a dit,
Si un homme et une femme acceptent de se marier temporairement, leur mariage devrait durer 3 nuits. S'ils aiment continuer, ils peuvent le faire ainsi. Et s'ils veulent se séparer, ils peuvent le faire. Je ne savais pas que ce soit seulement pour nous ou pour tout le monde en général. Abu Abdullah, ça c'est un commentaire. Al-Buhari a dit, Ali, ça c'est Ali, qui n'était pas Muhammad, après la mort de Muhammad, Ali a clairement indiqué que le prophète a dit le mariage Mouta a été annulé, rendu légal, illégal. Sahih Buhari 7.52. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent à propos de ça. Et lorsqu'on parlait de mariage temporaire, un mariage temporaire pour une durée déterminée, il dit une croyance chiite est généralement pas acceptée par les musulmans sunnites. Il y a une variante du verset dans le Coran que les chiites ont utilisé pour justifier cette pratique. Ubay ibn Ka'b a été crédité d'avoir lu Sourate 4, verset 24, un verset chargé de signification pour la loi musulmane sur le mariage dans une version variante. Famastamtum bihi. Minouha, il a ajali de Moussaman. Là, ce sont les commentaires des musulmans. Rapporté par Ali ibn Talib, le jour de Kaïbar, l'apôtre d'Allah a interdit la mouta, c'est-à-dire mariage temporaire et la consommation de la viande. Il y a plusieurs translations qui dit, on a posé la question, il y a beaucoup d'articles. Ah, c'est de ça que Christian Pesce est en train de discuter avec le frère ici musulman. Et on retourne vite à la vidéo de Christian Pesce. So, you said to me, I'm showing what the Shia they say, but this is your prophet explaining the Muta. Toi, tu m'as dit que je suis en train de te montrer les hadiths des chiites. Mais ici, c'est votre prophète lui-même qui est en train d'expliquer le mariage temporaire. You can rent a woman for a day, 2 days. Tu peux louer une femme, faire la location d'une femme pendant 2 ou 3 jours. Wait. Where did you get the word rent? Attends, Christian Prince. Où est-ce que tu as eu le mot louer une femme, faire la location d'une femme? It's in front of you. Mais c'est là devant toi. This is temporary marriage. Ça, c'est le mariage temporaire. Temporary marriage. Okay, what is, give me the definition of temporary marriage. Go ahead. Est-ce que tu peux me donner la signification du mariage temporaire? You are married, but let's say it's temporary in a way like... What is the word? What is the word? Donc, ça veut dire que tu es marié temporairement. Donc, cela veut dire... Use in Arabic. What is the word used in Arabic? Quel est le mot qu'on a utilisé en arabe pour mariage temporaire? The word what? What is the word used in Arabic when we say the word temporary marriage in English? Quel mot? Le mot qu'on a utilisé temporaire, le mariage temporaire en arabe, c'est quel mot? What is the word used in Arabic? Le mot. Muta, right? C'est muta, n'est-ce pas? Non, muta means pleasure in marriage, I believe. Uh-huh. Non, Christian Prince, muta veut dire donc le plaisir, la jouissance du mariage. Okay, this is the muta. Stamtatum bihi. This is where the muta came from the Quran. Le mot là, muta, stamtatum bihi, ça vient du Coran. C'est de là que le mot muta vient. Pleasure in marriage. Christian Prince, ça veut dire le plaisir dans le mariage, la jouissance. Actual marriage. Donc, dans un mariage, donc la jouissance. A pleasure in sex. You are sleeping with the pleasure in marriage, like actual marriage. Pleasure in sex. Quel mariage? Tu parles de quel mariage? C'est le plaisir dans le sexe, la jouissance du sexe. Or sleeping with the man for 3 days, is that marriage? Donc, tu couches avec une femme pendant 3 jours et tu appelles ça mariage?
Who I married. What married? You married. Did you get married? For 3 days? And if you like to increase, you increase. No. If you like to decrease, decrease. Quel mariage tu parles? De tu te marier à une femme pendant 2 ou 3 jours, et si tu veux même extendre le nombre de jours, tu peux le faire. Tu appelles ça mariage? Okay, if it worked out between the 3 days that you guys are in love, for example. Huh? Go on, continue. Oh, so you. Ah, Christian Prince. Donc, si donc pour ce 2 ou 3 jours, tu tombes amoureux, vous êtes donc amoureux l'un de l'autre. Alors vous allez extendre le nombre de jours. You meet a woman and you are in love with her. Have a so you marry her for 3 days. And you pay her money. Donc tu dis, tu trouves une femme, tu la prends, tu la maries pour 2 ou 3 jours et puis tu lui donnes de l'argent. Listen, if a man and woman agree. Agree to what? Alors, Christian, attends. On a dit, si un homme et une femme, if a man and a woman agree, si un homme et une femme, ils sont d'accord, ils s'accordent to marry temporarily. De se marier temporairement. What agree. To do, what, like what, they wanna... what they will do exactly, and what she will get, she have to get paid, correct? Et bon, cette femme ici, elle aura quoi? Elle doit être payée de l'argent, oui? When she's your wife, sure. Sure, them. Okay. So you hire c'est comme ça, oui. Women to sleep with her for to sleep with her for get paid, correct? When she's your wife, sure. I provide sure, them. Okay. Sure. Ah, c'est sûr. Si, c'est, je peux la prendre, oui. So you hire women to sleep with her for Donc tu vas louer une femme pour coucher avec elle? Hire women to sleep with her for okay. So you hire women to sleep with her for look at yes. Person. Hein? Christian, pourquoi est-ce que tu dis tu dois louer une femme? Location, comment? Because you are paying her. Why you are paying her? No. Listen, you no, said to I'm me. You said to her. Me. You are in... Mais puisque tu es en train de payer de l'argent cette femme ici, tu la prends, tu lui payes de l'argent. Love with her. You said to me. I heard you. You are in love with her. If she is in love with you, why she is going to get paid to sleep? Mais c'est toi qui as dit que si tu la prends et si tu tombes amoureux, tu es. Maintenant, pourquoi est-ce que tu la payes? Tu dois payer de l'argent. Sleep with you. Men and women get paid to sleep with you. Maintenant, comment est-ce que tu dois la payer pour coucher avec toi? Men and women agreed, okay? Uh-huh. Christian Pérez, on a dit ici, si l'homme et la femme sont d'accord, ils s'agréent? Like, she didn't disagree, and I'm telling her, let me hire you, I'll pay for you if you marry me. No, we both agreed that we marry. Ce n'est pas que je lui ai dit que je vais la prendre en location. Je n'ai pas dit ça. Mais moi, je la prends et nous sommes d'accord. Je la marie temporairement. Agreed. Okay. And why I need to pay her? Why I need to pay her? Mais pourquoi est-ce que je dois lui payer de l'argent? She's my wife. Even though it's temporary, she's still my wife. I provide for her. Donc, puisqu'elle est ma femme, même lorsque je la prends temporairement, elle est toujours ma femme. C'est pour cela que je dois lui donner, lui payer quelque chose pour voir à ses besoins. That we marry. Agreed. Okay. And why I need to pay her? Why I need because to pay her? She's my wife. Even though it's temporary, she's still my wife. I provide for her. I could feed her with my money. I could provide. No, you have to mention. Je peux la donner de l'argent. Je peux pourvoir à ses besoins. Je peux la nourrir. You have to mention how much you paid her before you sleep with her. You have to make an agreement for the period of the time, how long? And sure. The agreement. I mean, why not? Non, ici on dit que tu dois d'abord t'agréer avec elle. Combien d'argent tu vas la payer? Vous devez être d'accord, tu vas proposer et vous allez même discuter de la durée de temps que vous allez faire ensemble. Sure, why not? Okay. Guys, okay, so okay. I agree, thank you. Why not? Sure. Why not? Mais pourquoi pas, Christian Prince? How long? And sure. Agreement. I mean, why not? Sure. Why not? Okay. Guys, okay, so okay. I agree, thank you, Mr. Hazim, right? Oh, donc, d'accord, merci. Monsieur Hazim est d'accord avec ça. Your name is Hazim, right? Okay. Yeah. Ton nom c'est Hazim, n'est-ce pas? Il a accepté? Yeah. Right, your name is Hazim, right? Okay. Yeah. So and we have to agree. Remember, you just say that. You have to agree about how long and how much. Donc tu viens de dire que vous devez être d'accord
à propos de combien de temps vous allez faire ensemble et combien d'argent tu dois payer à cette femme. Correct. Okay. C'est correct, oui ou non? Okay. That is prostitution. You ask a prostitute how much you pay me for etc. time. She say $10. C'est ce qu'on appelle la prostitution. Tu appelles, tu demandes à une femme comment est-ce que je vais te payer, combien tu vas me charger. Si elle dit par exemple $10. Okay, let's go. How this is marriage? Tu dis ok, d'accord, on y va. Et comment est-ce que tu appelles ça mariage? How this is marriage? You just said we agree about the time before even we start. Ah, maintenant comment expliquer ça? Tu dis que vous allez être d'accord, vous allez vous accorder combien de temps vous allez faire avant de commencer? We said to you how much you want to charge me? How much you want to charge me for 3 hours? Et tu as lui posé la question, combien d'argent tu veux me charger pour 3 heures? You say $20. How in the world this is prostitution? Et elle dit par exemple, tu vas me payer $20. Comment expliquer ça? C'est ça même la prostitution. So what? No one said 3 hours, $10 like that. It doesn't work like that. Christian Prince, personne n'a dit 10 heures, $10 pour 3 heures. Non, c'est pas comme ça. It works like that. We don't talk. Oui, ben si, ça fonctionne comme ça. Mohammed Hijab is a Muslim or a Shia? Est-ce que Mohammed Hijab est-il un sunnite ou bien un chiite? Is Mohammed Hijab is a Muslim or a Shia? Muslim, Sunni or Shia? Hein? Mohammed Hijab est-il musulman, sunnite ou bien chiite? Mohammed Hijab. You don't know Mohammed Hijab? He's a Sunni, I believe. He's a Sunni. Tu ne le connais pas? Je pense qu'il doit être sunnite. Exactly. He said that Muslim Sunni in London, they marry women for 5 minutes. I can play the video for you. 5 minutes. Mohammed Hijab, il a dit que les musulmans là-bas, les sunnites, les musulmans en Angleterre, à Londres, ils se marient à des femmes pour 5 minutes. Un mariage de 5 minutes. Five, not 5 hours, 5 minutes. Il a dit, pas même 5 heures, 5 minutes. I can find the video right now. Je peux trouver la vidéo et t'envoyer ça. 5 minutes. Il a dit que les musulmans en Angleterre, ils se marient même, le mariage même pour 5 minutes est autorisé. About, he said Muslim Sunni, he was talking to Salafi. Il dit les musulmans sunnites, il parlait aux musulmans salafistes. Yeah. He said to them that you Muslim Salafi, you marry women for 5 minutes. Il a dit que vous les musulmans sunnites, les salafistes, vous mariez aux femmes, aux filles pendant 5 minutes. I've never heard anyone saying that. So is it against Islam or the Sunni Salafi they are practicing? I mean, it's not about. Est-ce que les musulmans ici ils font quelque chose qui est contre l'islam? Et les musulmans salafistes? It's against Islam. It doesn't make sense. Marry someone for 5 minutes. What does that mean? Ah, ça n'a pas de sens. S'ils ont dit ça, hein, comment est-ce que tu as dû marier une fille pendant 5 minutes? Ça n'a pas de sens. You tell me. Why not? If you, what the difference between what the difference between marrying her for 3 hours or 3 days or 3 minutes? Attends, tu dois me dire ça. Mais d'ailleurs, quelle est la différence entre marier une femme pendant 3 heures, pendant 3 jours, ou bien pendant 3 minutes? Quelle est la différence pour toi? It's about time, I guess. 3 days is more logic. Ah, Christian Prince. Donc c'est en ce qui concerne le temps. Ah bon. Tu se marier pendant 3 jours, c'est quand même logique. Il y a un peu de sens, c'est logique un peu. 3 days is more logic. Ah, more logic, but she is getting paid anyway. So the time is the only difference is the time. Ah, donc 3 jours, c'est logique pour toi. Mais quand même, elle doit être payée. Tu lui donnes, tu appelles ça logique? It is temporary. C'est temporaire. One sec. Uh-huh. 1 minute. 1 seconde.
5 minutes doesn't make sense. Se marier pendant 5 minutes, c'est pas logique. Ça n'a pas de sens. You and I both agree. Well, this is what Muhammad Hijabi said, my friend. Anyway, this is your Muslim, this is your Sunni. Ça, c'est votre frère musulman, Muhammad Hijab, qui a dit ça. Et il est sunnite. And you Muslims, there is no limit. There is anywhere in the Quran it says. Can you show me what he said 5 minutes? Let me. Est-ce que tu peux me montrer la vidéo là où il a dit que il y a des musulmans qui se marient pendant 5 minutes? Let me see if I can find the video. Hold, give me a second. Donne-moi quelques secondes. Je vais chercher la vidéo là où il a dit que il a dit ça. Here we go. La vidéo est là. I will give you the video. You play it in the side. Okay, hold on. This is not the one. Attends, je t'ai envoyé la vidéo. Ça, c'est pas ça. Je t'ai envoyé le lien. Tu vas jouer ça. Can you just send the link in the live chat? No, I will send you the link. Oh, sure. Tu peux juste m'envoyer le lien. Oui, je vais le faire. Je t'envoie le lien. This is the title. Search it. Ça, c'est le titre de cette vidéo-là. Le titre qui est sur YouTube. Search it. Muhammad Hijab, the marry and divorce. That's how they write the word marry. The marry and divorce. Ça, c'est le titre sur Internet. Muhammad Hijab. Donc, the marry and divorce. Hein? Donc, les lies, les mensonges qu'on raconte sur le mariage, le divorce. Abu Hakim Khadija. C'est ça le titre de la vidéo sur YouTube. Lies about Hakim Abu Khadija. Watch the video. The video is very short. Tu peux regarder la vidéo sur YouTube. C'est une vidéo courte. Muhammad Hijab. Okay. You marry women for 5 minutes. Il a accusé les salafistes que eux se marient aux femmes pendant 5 minutes. This is not me saying that. 5 minutes. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est lui qui a dit ça. Il dit qu'il se marie pendant 5 minutes. Watch it from your side. Tu peux regarder ça de ton côté. Oh. And he is speaking not to the Shia. He is speaking to the Salafi. Et il ne s'adresse pas aux chiites. Mais il parle aux salafistes qui sont des sunnites. And you know that the Salafi is the most conservative Muslims. Et toi, tu sais que les salafistes, ce sont les musulmans les plus conservatifs, les conservateurs. Supposedly they are the best of you. Et supposez que c'est eux les meilleurs de vous, les sunnites. So the best of you marry women for 5 minutes. Donc le meilleur de vous, des musulmans sunnites, ils se marient à des femmes pendant 5 minutes. 10 minutes. 10 minutes. This is not my words. Ça, ce ne sont pas mes paroles. He said 2 minutes. I forgot the video. I did not watch it for long. Il a dit 2 minutes. Pourquoi? Puisque j'ai fait longtemps, je n'ai pas joué cette vidéo ici. Je n'ai pas regardé ça. I'll watch it later. It's fine. I'll watch it later. Non, je vais regarder ça après. Je vais regarder la vidéo après. No, you watch it now. I will call you after 2 minutes. Just the video is very short. Let me call you back. Non, tu peux regarder cette vidéo ici. La vidéo est courte. Je vais te rappeler. Tu peux regarder la vidéo et je te rappelle dans 2 minutes. I'm just not playing it, so because they flag my videos always, cowards. Je ne vais pas jouer cette vidéo ici. Puis si je joue la vidéo, on va me signaler sur YouTube et YouTube va me donner des sanctions. And this is the video title. And I advise everybody to download it, actually. Et ça, c'est la vidéo. Le titre de la vidéo. Et j'exhorte à tout le monde de télécharger cette vidéo. En même temps, nous demandons à tous les gens qui nous suivent dans notre chaîne ici de partager cette vidéo que nous sommes en train de tourner, qu'ils puissent aussi liker, qu'ils puissent vulgariser pour l'algorithme, que YouTube puisse nous encourager à faire ce que nous sommes en train de faire pour la gloire de Jésus-Christ. Before you take it down. Téléchargez cette vidéo avant que nous puissions enlever ça de YouTube. This is your Mimi.
Ça, c'est Mimi. C'est Mohamed Hijab. Exposing the Muslim, exposing the reality about the Mohammedan cult. Un musulman qui est en train d'exposer les réalités qui se trouvent dans la religion des musulmans, des Mohammed. This is what they do. C'est ce qu'ils font. Dans l'entretemps, nous aurons la même vidéo, mais on a interprété ça en français. On va jouer ça pour l'audience francophone, vous allez voir ça. On va projeter ça pour notre audience francophone. Ils vont suivre ça. Yeah. On va jouer la vidéo. La même vidéo, nous avons ça en français. All you're happy to do, you and your friends, yeah, is acquiesce to the fact that you guys are going around, yeah, marrying people for 2 minutes and 3 minutes and 5 minutes and 1 hour, 2 hours, whatever it may be. Salafis are always accused marriage and divorce, man. So is there any sunnah for this? Is there any evidence for this? Can that mean, by the way, ikhwan? Yani, that is one of the most, yani, one of the most evil statements that is made against the people of Sunnah. Anyone who's familiar with the other communities will know that the affair of divorce among them is far, far more disproportionate than among the people of Sunnah. But it is us who are highlighted, that is it. And that is the manner of those who fight against the people of Sunnah, da'iman wa abadan. They will look for any excuse to highlight the people of Sunnah as evildoers. Apparently, our brothers at SP, yani, there is someone among them has married 60 times, apparently. This is what we've been told. Marry, divorce 60 times. Wallahi kadhabi. In any case, ikhwan. But mashallah, none of the Salafis know of this. But you who are kharij from the Salafi yun, mashallah, you're familiar with these tafasil and these details. But none of the Salafis are familiar with these details and these issues. Kadhabi. But the mushkila is, the problem is, ikhwan, you know, as it was said in the past, who is more fool? The fool or the fool that follows the fool? Who is more fool? We know that the man is a fool. Okay. Okay, on a déjà terminé la portion là. Maintenant, nous allons rejouer ça. Nous allons rejouer ça, puisqu'il y a une autre partie là qui ne nous intéresse pas. On va rejouer ça pour que tout le monde puisse bien suivre ça. All you're happy to do, you and your friends, yeah, is acquiesce to the fact that you guys are going around, yeah, marrying people for 2 minutes and 3 minutes and 5 minutes and 1 hour, 2 hours, whatever it may be. Salafis are always accused marriage and divorce, man. So is there any sunnah for this? All you're happy to do, you and your friends, yeah, is acquiesce to the fact that you guys are going around. C'est ça la vidéo? Un musulman qui est en train d'accuser les musulmans salafistes qui sont des sunnites, que eux ils se marient pendant 2, 3 ou 5 minutes. C'est un salafiste, c'est un musulman sunnite qui accuse les salafistes. On retourne avec la vidéo de Christian Prince. They marry women for a few minutes. Now, for me, he said 3 minutes, right? Okay. Il se marie aux femmes pendant peu de minutes. Bon, il a dit 3 minutes. For me, 3 minutes doesn't make sense. I mean, bon, pour moi, 3 minutes n'a pas de sens. By the time she takes off her panty, 3 minutes is gone. Le moment qu'elle puisse enlever ses habits, 3 minutes seront parties. Yes, I mean, by the time she takes off her panty, 3 minutes is gone. But this is telling you the reality about how short what so-called marriage is. Et ça démontre la réalité de combien est plus court
Le mariage, donc la durée du mariage. She got paid for sex, and those are Muslim Sunni. Those are not Shia. Donc, les femmes sont payées pour le sexe, et ça, ce sont les musulmans sunnites. Ce ne sont pas des chiites. If I say that, they will say he's lying. Si moi j'avais dit ça, ils allaient dire que je suis en train de mentir. This is your Mimi. Ça c'est votre frère Muhammad Hijab. The one who ran away from me like a potato. Celui qui m'avait fouillé dans le débat comme une patate. 3 minutes. 3 minutes. Not even five, I was wrong. Pas même 5 minutes. Je m'étais même trompé. Give you the link. You guys are lazy, aren't you? You don't want to search the title. Here we go. Hein, les gens qui me demandent, donc ils me demandent comment je peux leur donner donc le lien. Oh, vous êtes paresseux. Vous ne voulez pas chercher le titre? So our friend here Hazem, he agreed that he said yes, we agree about the time. Dans notre frère, notre ami ici, Hazem, il a dit oui, oui, nous sommes d'accord avec le temps. On doit s'accorder à propos du temps. We agree how long we will stay married. Nous agréons donc combien est-ce que nous serons encore restés mariés. Between two brackets. And how much I will pay her. And this. Comment est-ce que nous, le temps nous serons mariés? Entre parenthèses. Agree that he said yes, we agree about the time. We agree how long we will stay married between two brackets and how much I will pay her. And this is not prostitution. Can you believe it? Et nous nous accordons même combien est-ce que nous allons payer. Et ça, ce n'est pas la prostitution. Est-ce que vous pouvez croire un homme qui dit des choses comme ça? So what Muhammad, the fraud of Muhammad is, he gives names, he changed the names of prostitution. Le problème est que Muhammad a changé le nom. Il a changé le nom de la prostitution pour donner ça un autre nom. He changed the names of fornication. Il a changé même le nom de la fornication. To make it legal and lawful. Pour rendre cela que ça soit licite et que ça soit permissible. And now he is saying the Shia they do that. You Muslims need to do it more. Et maintenant le frère disait que les chiites pratiquaient ça. Mais nous voyons que vous, les musulmans sunnites, vous pratiquez ça davantage. And you have endless numbers of names of what so-called marriage, but all of them, they are just for sex. Et vous avez beaucoup de noms de ce qui concerne le mariage, le sexe. Ce que vous appelez mariage, et tout ça, c'est juste ce qui concerne le sexe. Sometimes you need to do it more. And you have endless numbers of names of what so-called marriage, but all of them, they are just for sex. Et vous avez un tas de noms que vous avez donné au mariage. Mais si on vérifie ça, ce n'est même pas à propos du mariage, c'est juste le sexe. And this is you, Muslim Sunni, in England, fighting, exposing each other. Et ça, c'est vous, les musulmans sunnites, en Angleterre. Vous vous battez et vous exposez les uns les autres. I challenge you, my friend Hazem, to call me and tell me he was lying. Je te donne un défi, mon ami Hazem, de me rappeler et de me dire qu'il est en train de mentir ici. Let me call him back. Attendez, je vais le rappeler. I think. Good time, guys. As you see, Islam is so stupid, and the Muslims cannot defend their cult. Et comme vous voyez, l'islam est trop stupide, et les musulmans ne peuvent même pas défendre leur culte, leur religion. Islam is so stupid, and the Muslims cannot defend their cult. The second, you know, this guy can do good if he calls somebody else, not with me. Ces gens, ils peuvent se défendre lorsqu'ils appellent quelqu'un d'autre, pas moi.
Here, there is no space for the devil tail. Ici, il n'y a pas de place pour la queue du diable. I'm not saying he is the devil. Je ne dis pas que lui, il est diable. Donc, pour les histoires du diable, je ne dis pas que le frère est diable. I'm saying he's a poor guy. You think he is, you have God. You think he have religion. You think he have a prophet. Ce frère ici, c'est juste un homme pauvre. Il pense qu'il a Dieu. Il pense qu'il a une religion. Il pense qu'il a Dieu. Il pense qu'il a une religion. Il pense qu'il a un prophète. This guy can do good if he calls somebody else, not with me. Here, there is no space for the devil tail. I'm not saying he is the devil. I'm saying he's a poor guy. You think? Je n'ai pas dit que le frère est un diable. Il pense. Think he is, you have God. Il pense qu'il a Dieu. You think he have religion. Il pense qu'il a une religion. Think he have a prophet. Il pense qu'il a un prophète. He think. But the reality is, you have a pervert. Il pense, mais la réalité est que il a un homme pervers. Poor guy. You think he is, you have God. You think he have religion. You think he have a prophet. You think. But the reality is, you have a pervert. He changed names of evil things to do. Muhammad a changé le nom des choses qui ne sont pas permises, des choses méchantes, des choses mauvaises, il a changé même le nom. He married child and he called it marriage. Il se marie à un enfant et puis il appelle ça mariage. But this is pedophile. Ça c'est l'appel pédophilie. He make you hire women to sleep with you. And he called it temporary marriage. Il fait que vous puissiez aller prendre des femmes en location pour coucher avec elles et il appelle ça mariage. Temporary marriage. Il appelle ça mariage temporaire. Temporaire. What's the difference between fornication and temporary? What's the difference between one night stand? Quelle est la différence entre la fornication et les mariages temporaires? Quelle est la différence entre quelqu'un qui couche avec une femme juste pour une nuit? You know, at least boyfriend and girlfriend, they don't get paid. Au moins, le copain, les copines, ils ne se payent pas. Ils ne payent pas de l'argent. Pas nécessairement. If a woman, she wanted to pay you she have to be paid to sleep with you. Si une femme doit être payée pour coucher avec toi, because you know she have to be paid to sleep with you. Hello. Yeah, hello. All right. So, did you see the video? Est-ce que tu as vu la vidéo? I saw the video, and wallahi, everything Jesus said did not come in the video. Ah, Christian Prince, j'ai vu la vidéo, et wallahi, tout ce que tu m'as dit. Je n'ai pas vu ça dans la vidéo. Everything I just said is not in the video. Tu veux dire que tout ce que je t'ai dit ne se trouve pas dans cette vidéo-là? Example that people are saying they're marrying. What? Il était en train de dire qu'il y a des gens qui disent que les gens se marient pendant 5 minutes. People are saying? He probably said that. Tu veux dire que les gens disent quoi? People are lying about marrying 5 minutes. Who is saying? Non, il était en train de dire que les gens mentent qu'il y a le mariage de 5 minutes. That Mimi Hijab, he said that you marry for 3 minutes. Hold on. Qui a dit ça? Qui accuse l'autre? Ne soit que ce Mohamed Hijab qui est en train d'accuser les autres musulmans. That Hijab, he said. You marry for 3 minutes. Did he say that? N'est-ce pas que Mohamed Hijab a dit que vous mariez pendant 5 minutes? Oui ou non? He said that people are lying about, like they're mocking. He said they are lying.
Il a dit qu'il y a des gens qui mentent et les gens qui se moquent qu'il y a d'autres qui se marient pendant 5 minutes. Fine. Listen, the video was why you are changing the words? Pourquoi est-ce que tu changes les mots? Listen, the video was Christian Pence, écoute, il est en train de dire que il y a des gens qui mentent que les musulmans se marient pendant 3 ou 5 minutes. In the words, why you are adding words? No, I'm asking you what Muhammad Hijab he said. Pourquoi est-ce que tu ajoutes les mots? Qu'est-ce que Muhammad Hijab a dit? Did he say you Muslim Sunni Salafi you marry three? Non, Christian Pence, je ne suis pas en train de changer les mots. You Muslim Sunni Salafi you marry three, five, 10 minutes. N'est-ce pas que Muhammad Hijab est en train de dire que vous les musulmans sunnites salafistes, vous êtes en train de vous marier pendant 2, 3, 5 minutes? No problem. Christian vidéo. Oh, sorry. Cette vidéo ici, Christian pense, la vidéo a été coupée. On a juste pris une portion. No problem. So they are trying to refute him. Those are videos not made by him. Pas de problème. Ces gens ici, les salafistes, ils ont pris cette vidéo, ils ont montré ça, ils ont coupé puisqu'ils voulaient réfuter Mohamed Hijab. They are refuting him. His video, I don't know where it is, but this. Ils ont réfuté ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo. On ne sait pas d'où se trouve l'intégralité, mais ils voulaient le réfuter. This is part of his video, speaking about them, and he is saying. No, I can't say. Dans cette partie de la vidéo, ça parle à propos des salafistes. Mohamed Hijab qui accuse les salafistes, et les salafistes sont en train de le réfuter. Anything about that? Anyone can set up any. No, I'm asking you. Let me make hijab. I don't know what it is, but this is part of his video speaking about them, and he is saying. No, I can't say anything about that. Anyone can set up any. No, I'm asking you. Let me make hijab. Christian Prince, je n'ai rien à commenter sur cette vidéo puisque je ne sais pas tout, et puis tout le monde peut prendre, couper la vidéo de quelqu'un pour aller essayer d'interpeller ça. In the video, say you marry women for 3 minutes. Did I lie? Lorsque il dit, je t'avais dit qu'il dit dans la vidéo qu'il se marie à des femmes pendant 3 minutes. Est-ce que j'avais menti? Actually, I don't have enough evidence for that. Neither do you. I don't care. Christian Prince, je n'ai pas assez d'évidence dans cette affaire. Toi non plus. Il n'y a pas d'évidence. Je t'ai donné la vidéo. Tu veux me dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est fake? He was probably talking about people are saying they marry for 5 minutes. Did he say people are saying? Non, Mohamed Hijab est en train de parler probablement à propos des gens qui disent que les musulmans se marient pendant 2-3 minutes. Did he say people are saying, or he said you married? Did he say people are saying? He was probably talking about people are saying they married for 5 minutes. Did he say people are saying? Did he say people are saying, or he said you married? That's the problem. Est-ce que il a dit que les gens disent, ou bien il a dit que vous, les salafistes, vous mariez pendant 2, 3, 5 minutes? Did he say? People are saying, or he said, you marry. A-t-il dit, les gens disent, ou bien a-t-il dit, vous mariez? Vous allez vous marier à des femmes pendant 2-3 minutes? That's what I'm saying. No. Christian Prince, c'est ce que je suis en train de dire, que les gens disent. No, when you go and make a video and you say, but it's cut off. You are. Lorsque vous partez faire la vidéo en disant une histoire, go and make a video and you say, but it's cut off. You are. No. On a coupé cette vidéo, Christian Prince. You said. Either way. Generally. My friend, just don't waste my time. I don't talk to liars. Généralement, à propos de ça, bon, ça c'est dit quoi. Je ne parle pas aux menteurs.